minutes, ça, c'est ça. C'est ça. Religionnaire cycliste, je vais procéder au ramassage de la bouteille, hein, et puis je vais trouver une poubelle sur mon chemin. Voilà, voilà. Dans un moment d'enthousiasme, tu peux bien te mettre au tas là. C'est pas facile pour passer les vitesses du coup. Hein. Je vais bien trouver une poubelle, non? C'est rouge. C'était bien rouge. Quelle la soif, qu'est-ce que c'était? Bergerac sec. Le pas mal ça. Target quand il rode. Oh là, non, c'est casse-gueule. Oh, le jour, elle est un peu basse. Je vais chercher une. Bon, bah, j'ai bien fait de m'écarter. Voilà, là, c'est parfait. Hop là. En bon, merci. Comme une petite bagarre là, hein, il y a du sang et tout, c'est moche. Pourquoi ils se bagarrent les gens? Faut pas se taper dessus, faut se faire des bisous. Oh là, c'est pas mal. Le col de Sully. Allez, hop, 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 Bilout. Il est en tête, il a la plaque, il a tout à droite. Ah, la brute, la brute, la brute. Voilà, je suis fatigué maintenant. Chacun fait ce qu'il voulait faire. On the right, Our Lady of Paris, with her two clochers and many, many much vitraux. The touristic spot of the coin. Enjoy, it's free, it's for you. Sur la bande cyclable. Que va faire ce bus? Il va tout droit. Ah, ici, il faut résister à monter sur la piste qui est sur le trottoir.
puisque tu n'es pas concerné par ça. Hein. Évidemment, pour les cyclistes qui vont dans l'autre sens. Et nous voici sur la mer de rue gauche, piétonnisée depuis 2013, hein, pour le plus grand plaisir des vélos taffeurs matinaux. Car l'après-midi, c'est totalement inefficace, on va dire. Enfin, en gros, tu peux pas rouler à cette vitesse-là. Quoi. L'après-midi, c'est pour le retour du travail, quoi, en fin de journée. En cette saison, c'est quand même plein de touristes et de gens qui viennent prendre du bon temps et du plaisir en bord de Seine, et ça se comprend. On ne leur jette pas la pierre. Hein. Et les joggeurs du matin sont assez ordonnés, ils sont quand même pas mal en ligne droite. Ce qui n'est absolument pas le cas des joggeurs de l'après-midi, puisque comme c'est blindé de piétons, de petits enfants en patin à roulettes, à bicyclette aussi, des petits chiens en laisse, tout ça. Donc le jogger de l'après-midi a une psychologie beaucoup plus proche de la dinde en fait. Hein. Il slalome dans tous les sens et tu n'arrives pas à capter sa psychologie. Donc là, hein, c'est la nouveauté de la quinzaine, c'est en travaux ici. En pure théorie, je suis sur le chemin, mais je ne peux plus me déverser sur le boulevard. Ce qui est le cas, j'ai même pas peur, je chevauche mon gravel bike, monté avec ses groupes de pneus. On va en profiter. Voici le seul moment où j'ai le soleil de face le matin. Si je passe par ici. Hop là, ça y est, plus de soleil. Alors j'ai un petit chemin à droite, à gauche, à gauche. Attention, camion. Je vais laisser le camion passer. Veuillez procéder. Voici. Alors. Donc là le jeu c'est de rester sur la ligne hein. En dehors de la ligne le sol est de la lave. C'est rigolo non? Hashtag 8 ans. Attention virage serré. Ah le sol est de la lave. Hop là. Je me signale. Hop. Et je procède à une relance fulgurante. Attention tuyau. Allez hop. Ça va? Tu t'amuses? Alors, chers téléspectateurs, rendu à la durée de cette vidéo, si d'aventure tu as intégralement regardé depuis le début, c'est officiel, t'es un gros malade. Allez hop, hop là. Là c'est la pensée rigolote. Je vais tenter de continuer à te parler, mais honnêtement ici, ça chahute. Là tu vois, c'est plus des pavés. Là c'est Saigon là. Là, c'est l'apocalypse. Ça chahute un peu. Donc t'es content d'avoir un cadre en acier, avec une fourche en acier, réputée pour leur souplesse, et des gros pneus avec des bonnes roues adaptées à cet usage de la bicyclette. Là ça chahute moins, tu en profites, tu te dis, ah ouais, c'est bon, ça fait du bien, et tout d'un coup, ah voilà. Bon, mais c'est rigolo. Un jour je vais laisser un ou deux rayons et puis je passerai plus par là. Hein.
messieurs. Ok, ça fait les bras. Et là, quand tu arrives là, bah, t'es content que ce soit fini, hein. Ah oui, j'avais oublié. Route de Bique, c'est fermé. Alors en fait, faut que tu montes puis que tu redescendes après. Tu vois, c'est le même pavé là. Quand j'étais monté avec des petits pneus en 25 avec ce même vélocipède, ça ne ferait absolument pas les mêmes sensations. Alors, est-ce bien légal? Belle ligne blanche, tout ça. C'est bien légal ou est-ce que ça transpire la délinquance? Je dirais que c'est pas très bien ce que je viens de faire en fait. Ici, j'ai une astuce, c'est un petit chemin secret. Hop là, Miel, là. T'as vu? Vois-tu, ici, je disposais jusqu'alors d'un petit va tout droit cycliste. Que n'est-il plus là? Et pour quelle raison? Je vais tout de même aller me positionner au deuxième feu. Comme un délinquant notoire que je suis. Avez-vous revu du col de France Télé, qui n'a l'air de rien comme ça sur l'image, parce que à la caméra c'est toujours beaucoup plus écrasé. Mais là on est en première catégorie. Hein. Calme de col. Voilà. Je suis toujours sur les 50, hein, j'ai ma fierté. Hein. Pas le 34 là. Hashtag grosse cuisse. Ça c'est vrai, mais le problème c'est qu'il n'y a pas que les cuisses qui sont grosses. Je n'en dirai pas plus. Pour conserver cette image de sportif aguerri et affûté que certains peuvent. On arrive au tout début des maréchaux au sud du parcours du tramway en fait. Là, c'est le terminus à gauche et le début minus à droite. Et hop, la fameuse petite piste, qui est une bande, non une piste, avec son fameux tout petit rebord là, de 4 cm là. Et si tu roules avec des petits pneus et que tu te les mets là-dedans, bah tu voles. Prudence piéton, et prudence voiture qui tourne à droite. Ça c'est jamais bien agréable. Je vais tenter de passer sur mon passage destiné. Voilà. Ah là on va remercier ce camion Ben là. Ouais. Alors, donc hein, en toute impunité devant un ministère quand même, ça ne choque personne. Bah non. Donc on va faire un peu de zigzag. Merci à tous. Bah, juste à venir, en fait. Là, c'est quand même pénible. Allez, vite. Là, c'est compliqué. Hein. Je suis coincé. Comme je voulais pas poser le pied à terre et passer par le trottoir, je suis passé par là. Ah, je vais pouvoir, c'est vrai. Tu as vu? Allez. Et voici que je peux procéder à une avancée tout à fait. Alors là, je devrais. Je suis étonné, je suis très étonné. Parce que dans ce cas de figure aussi, en général, c'est la ruée des deux roues motorisées sur la bande cyclable. Hein.
C'est le grand classique. Alors quel n'est pas mon étonnement de ne les voir en masse. Là, tu vois que l'FUE est à droite de la piste, mais que je bénéficie là, tourne à droite cycliste. Duquel je vais bénéficier. Alors, on est en train de renvoyer les piétons sur la piste cyclable. Termine. Je suis bien arrivé, presque 14 km. Écoute, je te laisse profiter de ta journée ou de ton week-end ou de ta nuit, ça dépend à quelle heure tu visionnes ces images. Et encore une fois, si tu as tout regardé depuis le début et écouté aussi, supporter ma voix, franchement, je pense qu'il faut aller consulter. Hein. Allez, bisous!